Bonjour chers citoyens de la taverne, et bienvenue pour un nouvel épisode sur Evolante 2, le jeu qui vous veut du bien. Et on reprend notre histoire où on avait laissé la dernière fois. Là on avait donc trouvé un nouveau jeu. Oh, une boutique! Peut-être qu'ils vendent de nouvelles marchandises. Ah non, ça c'est pas une boutique, c'est chez les gars. Peut-être qu'ils vendent de nouvelles marchandises, qui sait. Cette porte est fermée. Alors, je sais pas, je visite... Hein ? Tous les préparatifs sont terminés ? Oui ! Bien ! Notre objectif est clair, nous devons tout faire exploser. Ouais ! Alors, tous à vos postes, l'opération catastrophe est lancée. À vos ordres, prophète ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Mais dis pas que c'est le prophète du futur, là ! Qui es-tu? Tu crois pouvoir déjouer les plans du prophète? Le grand destructeur. C'est le prophète, c'est pour ça qu'il me prend pour le grand destructeur. Parce qu'en fait, je suis remonté dans le temps et c'est la première fois qu'il me rencontre. Ah, bon, donc il faut que je retrouve les enfants. C'est peut-être la paix, mais que direz-vous d'un bon équipement? Cool, tout en acier. Solide et tranchant, fonctionnel. Pourvu qu'elle ne fasse pas clic-clic à chaque pas. Et les bottes. Vos pieds seront bien protégés, sauf des ampoules. Oui. Bottes de smug. Ceinture de smug. Bonne promenade. Bon, il faut trouver les enfants, je présume. Ah, tu en es un, il me semble. Moi, je suis une fille de marchand, et plus tard, je négocierai comme mon père. Je suis intransigeable à faire quoi? Ma clé? Oui, elle est de vendre, mais je ne pense pas que tu puisses l'offrir. C'est une clé super rare, tu sais. Bon, si tu es ici, je te fais un prix d'ami. Tu es prêt? Ma clé, elle est pour toi à 10 gris. Oh, bah, ok, si tu veux. Quoi? Vraiment? Tu vas m'acheter ma clé pour 10? Ouais, super, je suis riche, tiens, voilà pour toi. Vous avez obtenu les enfants. Le jour était bien plus simple avec une compétence crochetage. C'est clair. Qui êtes-vous? Vous êtes trop jeune pour avoir connu la grande époque du Colisée. C'est bien 50 ans, j'étais encore tout petit. Je me rappelle que j'étais fan d'un combattant portugais. C'était quoi son déjà? Menusix. Un truc comme ça. Mon mari ne fait aucune tâche ménagère, tout le temps en train de s'amuser de rêvasser, mais je ne peux pas vraiment lui reprocher, ça doit lui venir sur l'éducation. Ah, un autre enfant. Pouf. Je joue avec ma clé, un garde m'a attrapé normalement, on n'a pas le droit d'avoir ses clés. Il a confisqué, je suis certain qu'il a plaqué dans une des coffres qu'ils ont au pied du lit. Mais si vous posez de garde, ils vont me voir. Ok, donc il faut aller au poste de garde. Est-ce que c'est... Ah, il y a un enfant là. Quoi, tu veux entrer dans la base secrète? Pour ça, il faut que tu me rapportes les 5 clés qui prouveront que t'es l'un des nôtres. On garde chacun notre clé, ce sera pas facile. Mais où est passée ma clé? Zut alors! J'ai encore dû la prendre quand je jouais dans les mines à l'ouest de Genova. Oh non, t'es sérieux? Ouais, faudra que j'aille dans les mines alors. Et de deux! Enfants là ou pas? Ok, donc on sait où est la troisième, elle est dans la mine de Genova. Il n'y aurait pas un gamin dans l'auberge. Ah, si. Ouais, j'ai gagné une nouvelle carte, elle est trop forte. Et monsieur, tu joues avec moi? Bon, c'est pas un petit enfant.
n'aurais pas vu un gars bien en vert des fois? Oui. Si je retrouve, ça va mal se passer pour lui. Il est entré dans ma maison et a détruit tous mes jolis ponts en criant Yaya. Mais nous aussi qui sont dans tout leur état. Foi de Madame Lambrouille, il ne s'en sortira pas comme ça. C'est Link. De Zelda. Oh putain, ils sont cons quand même. Désolé, mais vous pouvez pas entrer ici. Dommage pour les enfants, mais ils l'ont bien mérité. Ah, il y a des enfants là. Moi, je passe. Tu crois que je vais dire où j'ai caché ma clé? Si j'étais facteur, t'aurais aucune chance. Mais là, t'en as aucune. Oh putain, c'est une boîte aux lettres. Et deux, trois. Plus qu'une. Les personnes m'ont fait assez partir rejoindre les pierres de la baie. J'espère qu'il reviendra avec plein de trésors et peut-être une cicatrice sur le joue. Ça le rendra encore plus fier que là. N'importe quoi. Bienvenue chez McDonald's. Malheureusement, le restaurant est fermé pour l'instant. Mon grand-père me l'a légué ce restaurant, c'est comme ça qu'il a fait fortune. Je ne suis pas satisfait de la qualité de la cuisine. J'ai goûté de nombreux plats, mais impossible de trouver le goût parfait. Il faudrait que je parte à la recherche d'ingrédients légendaires. Mais je suis coincé ici. Vous m'avez l'air d'aventurier intrépide. Accepteriez-vous de me rapporter les trois ingrédients légendaires? Oui. Je compte sur vous, trouvez les trois ingrédients légendaires et rapportez-les-moi. Ok. Depuis la fin de la guerre, mon père s'est enfermé et ne sort que rarement. Je veux bien comprendre que c'est dur pour lui, mais il y a des limites. J'ai décidé, je m'en vais à sa maison. Dès qu'il ne sera plus là, je vendrai sa maison. Ok. Mais ça se trouve, je pouvais l'acheter dans le futur, sa maison. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Et si... Oui. Et si on se tenait la main? D'accord. Oh, tu es mignon. Tais-toi. J'ai entendu parler du prophète Wicca. On raconte qu'il va détruire le monde. Je pensais que ce n'était que des contes pour enfants. D'accord. Tiens, moi la dernière. Quoi? Tu es au courant pour un 430? Dirais mes parents si ils vont encore me punir. Tu promets de rien dire? Oui. T'es cool, tiens, je te donne ma clé. C'est pas possible. Bon, mais il reste plus que la mine. Eh ben, c'est parti. À l'ouest. Allons chercher cette fameuse clé. À l'ouest, j'en dis à l'ouest. Mine. Je comprends pas pourquoi les démons n'essaient pas de s'enfuir. Je veux dire, à leur place, c'est ce que je ferais. C'est profondément qu'ils ont quitté les animaux. Avec un peu de chance, je mourrai bientôt aux années boudement. Quand je trouve trop, je ne reprends pas sur l'histoire que j'ai regardé quand j'étais enfant. Je pensais qu'il existait d'autres mondes, loin du nôtre, où tous les gens sont heureux. Ah, c'est triste, ils sont tous réduits à l'esclavage. Laissez-moi tranquille, j'ai encore du travail. Les démons ont fait prisonniers lors de la guerre travaillent ici pour la prospérité à l'Empire. C'est une chance que les démons vivent longtemps et soient très résistants. Peut-être qu'ils les libéreront d'ici 50 ans ou plus. Ah, c'est triste. Ah, la clé! On a obtenu la clé. Ça aurait dû être un esclavage. Pauvre démon. Bon, on a toutes les clés, du coup. Alors, c'est parti. Si je me souviens bien, c'était genre un peu à gauche. Ouais, c'était lui. Quoi? Tu veux entrer dans notre base? Pour ça, il faut que tu me rapportes les 5 clés. Quoi? Mais tu as les 5 clés? Waouh, t'es vraiment super fort. Je te laisse passer, alors le prophète va te recevoir. Il s'est barré. Hé, hey, gamin! Si
t'allais m'échapper. Kaka. Et c'est marqué? Non. Ah! Tu crois pouvoir m'échapper parce que t'es à un pot à l'autre bout du monde? Bim! Tu as fini de me suivre, oui? Et t'es qui, toi, pour venir tout casser notre base secrète? Tu ne pourras pas empêcher la catastrophe, de toute façon. Tu n'arriveras jamais jusqu'ici. On parie? Putain de gamin. Ah, t'es... C'est moi où j'ai fait une bêtise. Ah, je sais. Je couloir avoir compris. Bon, déjà, toi, tu vas là. Toi, je termine là. Mettre toi là. Ensuite. Ensuite, toi je te pousse là. Regardez comme je suis trop fort. Toi je te pousse là. Toi je te pousse là. Toi, je te pousse là. Et voilà. Et je suis enfermé. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Bien sûr que si, je suis bon. Et ouais, ma gueule, j'ai tout compris en 2-2. Et je présume qu'avec la classe, je vais pouvoir traverser. Ah, regarde ce que tu as fait, c'est toi qui as rassemblé 5 clés. Tu as inondé notre base secrète, l'eau a tout recouvert. Et tu as détruit mon collection de pots. Tu es le grand destructeur. C'est pour ça qu'il m'appelle le grand destructeur, le prophète. Alors c'est comme ça que tu es devenu le grand destructeur, le Tav? On s'est fait du souci pourri apparemment. Mais il faut quand même qu'on arrête le prophète. On l'a croisé dans le futur, il est clairement fou. C'est forcément lui qui est à l'origine de la catastrophe. Tu vois ces gouttelettes en suspension au-dessus de l'eau, de l'Otave? Je pense pour aller jouer avec mon pouvoir. Ça vaut le coup d'essayer, non? Voilà. J'en étais sûr. Voilà. Hé, hey, vous êtes qui, vous? Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens, dans notre base secrète aujourd'hui? Vous voulez empêcher la catastrophe, c'est ça? Ah, c'est les démons que l'on avait croisés. La catastrophe? Quelle catastrophe? Eh, mais vous êtes un démon! Il t'a posé une question, alors réponds! Je... ne me mangez pas! Je vous dirai tout! C'était notre plan à moi et à mes amis. Pour le 50e anniversaire, on allait faire une catastrophe. C'est leur faute aussi, aux adultes. Ils nous ont punis. Pas de feu d'artifice, on dit. Alors on s'est dit qu'on allait quand même allumer tout ça. Et boum, c'est tout promis. Et tu appelles ça une catastrophe? Une catastrophe, c'est quand ton peuple entier est exterminé. C'est quand tout ce qu'il te reste, c'est la rage et la volonté de te venger.
Sois patient. La véritable catastrophe est pour bientôt. Celle qui vous donnera le goût de la défaite, de l'humiliation, celle qui vengera les crimes que vous avez commis, vous autres humains. Nous avons fini de collecter l'énergie de cet endroit. Encore un peu, encore un tout petit peu. Au nom de la loi, je vous arrête! Et qui sont les nouveaux là? Alors c'est vous qui allez créer cette catastrophe? On est là pour vous en empêcher. Ah vraiment? Vous pensez pouvoir nous battre alors que nous sommes prêts à mourir pour notre cause? Je n'ai pas peur du danger. Grand destructeur, sauve-moi! On va vous arrêter ici maintenant pour protéger le futur. C'est ce que nous allons voir. Fight! Plus personne ne bouge. C'est que ça? Mais c'est quoi tous ces gens? Mais où sont-ils? Derrière nous! Ils nous ont tendu une embuscade. Je savais qu'ils étaient dangereux. Ils ne pourront rien faire face à nous car nous sommes... les forces spéciales de l'Empire! Putain. C'est pas de poids des Power Rangers. Vous êtes en état d'arrestation. Merci pour votre aide. Grâce à vous, on va pouvoir arrêter ces démons. Des démons? Personne n'avait parlé de démons, si. Non. Les suspects sont un jeune homme et deux jeunes filles. Des humains. Ce sont bien eux. Plume, chérie. Je crois qu'il est temps qu'on tire notre révérence. Le Tav, vite, il faut les arrêter. Grand destructeur, je vais m'occuper des forces spéciales. Merci. Allez-y! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous nous avez suivis? Partez devant, je vais m'en charger. Fais attention à toi. Bien, amusons-nous un peu. Oups! Putain! Ouais! C'est trop marrant! On va utiliser plutôt la puissance de Dooms! Aïe. J'ai bouffé une caisse. On va y arriver. Ouais. Doom, c'est beaucoup plus puissante. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Putain, mais c'est chaud. Et je vous le dis, c'est chaud. Je suis concentré, là. Ouais. C'est rien que je m'en lance trop. Putain. Hop là. C'est épique. Ah, on a chopé un checkpoint. Heureusement. On va garder la puissance de Dooms. Voilà. Ah, mais c'est pas vrai. C'est dur! C'est dur!
C'est vrai qu'il y a plusieurs passages. Ne résiste pas, démon! Toute résistance est futile. Ah, putain! J'aurais dû passer en dessous. Ah! C'est chaud! C'est chaud de la patate! Voilà! Esquive! Ah, mais je croyais... Et à chaque fois, j'ai l'impression que je peux passer au-dessus. Mais en fait, il n'en est rien. Je viens de comprendre que je pouvais descendre sous l'étage inférieur. Allez, c'est pas grave. Bon. Essayons de se concentrer un peu. Allez! I'm serious. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, mais j'ai raté le truc! Mais putain de merde! Ah, c'est chaud patate là. C'est chaud de la patate. Hein. Voilà. Hop là. On passe là. On fait ça. On passe là. Puis là. Mettre ça, un premier saut, un deuxième saut, voilà, parfait, perfecto. Tu ne m'échapperas pas longtemps, démon. C'est le fight. Ah, mais pourquoi il a pas sauté? Il était bloqué, il était là. Non, je peux pas sauter, je sauterai pas. Putain. Arrête de sauter. J'ai été surpris, chérie. T'as peut-être un bonnet rose, mais t'es pas... Putain, mais... Arrête d'esquiver! Bon. Ce combat démarre très très mal. Mais... Le tavernier, tu n'es pas concentré. Ta gueule. Allez. Cette fois, je vais te vaincre, chérie. Ah! Mais c'est pas vrai! Chérie de mes deux! J'ai dit saute! Wow! Oui! Yes! Wow! Chérie, désolé, Plume. Tu es faite. En toi. Es-tu une femme ou un homme d'ailleurs? Vous êtes fort. Peut-être que vous pourrez l'empêcher d'encore pire cette folie. Plume et moi, nous n'avions pas la force. Aidez-le! Il est si seul! Il a besoin d'un ami! Je vais surtout lui foutre mon épée dans la gueule. Mais elle est morte! On l'a tuée! Mais on l'a carrément tuée! Mais putain, mais quelle violence! On l'a tuée! Les deux autres sont échappés, il faut qu'on les retrouve. Ils doivent déjà être loués. Nous devons les trouver si vous voulez empêcher cette catastrophe. Mais on l'a butée! J'ai encore du mal à croire si ce que vous venez me raconter est vrai. Qu'est-ce qui a pu causer une telle explosion? Il faudrait une immense quantité d'énergie. Je ne sais pas. Tu as une idée, Otav? Non. C'est un mystère. Nous ne trouverons aucun problème indice à mieux vous chercher ailleurs. Du genre... chez Démoniard? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une gelée verte. Bah, c'est génial. «
Bon, on l'a buté. Mais quelle violence, tu sais. On n'était pas obligé d'en arriver. Donc il a pas de carte. Wow. Oh la puissance. Bon. J'ai l'impression d'être dans le... Oui, il a que des cartes... Il m'a défoncé, quoi. Es-tu vraiment certain de vouloir faire ça? Tu avais vu ce qu'ils sont devenus. Les démons sont la race suprême. Comment peuvent-ils se considérer comme des esclaves au service des humains? Ils ne méritent pas de continuer de vivre. Bien. Je ferai ce que tu veux. Je pense qu'en plaçant bien ces bombes, je dois pouvoir faire s'effondrer la mine. Ils vont tous mourir. C'est bien ce que tu souhaites. Ce ne sont plus des démons. Il semblerait que nous ayons de la visite. Hello! Vous avez manqué? J'ai défoncé votre copine. Wow! C'est Bomberman! Mais si... Wow! C'est violent! Voilà, il suffit de bien placer les bombes. Faut être patient. Bim. Eh ben c'est bien moins compliqué que ta sœur, hein, je te le dis. Qui es-tu? Tu n'es pas un de ces faibles humains. Pas question que je meure ici, je dois encore en souvenir sa vengeance. Nous nous reverrons certainement. Ok. Il manque plus qu'un bon moment pour avoir le costume complet de l'aventurier. Je crois savoir où l'utiliser. Attends, je peux plus me battre avec mon épée? Alors je pense qu'on peut l'utiliser ici. Bon, j'ai presque plus de points de vie, mais c'est pas grave, hein. On fera avec, hein. Bon. Faire péter ça ou pas d'ailleurs? Non. Bon bah écoutez les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve au prochain épisode pour la suite de nos aventures dans Evoland 2. Salut les potes!